Bon, là, c'est parti pour comment ça s'appelle Cult of the Lamb. Ok, j'enlève la souris. Hérétique vaincu, oui. Interagir, faire un cadeau. Ok. Bon, qu'est-ce que je vais... Ah oui, il est quelle heure, donc c'est bon, je peux y aller. Et bois sombre, hein, l'autre c'est quoi là-bas? Anoura. Ok. Donc faut que j'aille récupérer des fleurs. Le vent du changement a soufflé, l'as-tu entendu? Le monde d'hier n'existe plus, autrefois immobile, il est aujourd'hui en mouvement vers une ère nouvelle. L'Eshi a péri, la guerre fait rage entre les créatures peuplant ces terres. Tous veulent s'emparer du pouvoir, l'agneau ne pourra pas vaincre les monstres en colère aussi facilement. Ah, ils sont plus féroces, ok. Gants tempétueux, une paire de gants acérés comme des lames de rasoir, particulièrement efficaces en combo. Ah ça, j'ai pas compris encore à quoi ça sert, ce licor là. Ouais, ça a une bonne portée quand même. Ah mais j'ai pris un truc de dégâts quand même. Bon, puis il me donne surtout pas de fleurs, hein, ça pourrait m'aider dans ma quête. Bon. Là, c'est quand même bizarre qu'on n'ait pas de pierres quand on casse. Ah si, on a des pierres. J'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Bon, puis ce serait bien qu'il y ait... J'aimerais bien le petit empoisonnement là. Ça m'aiderait. Bon. En général, c'est souvent là la. Oh là. Elle a l'air énervée. La bestiole a l'air énervée. On a une carte d'empoisonnement. Ah, un cœur, oui. Putain, ça me garde la musique. Pognon, je m'en fous. Ah. Le destin se choisit une carte des cartes. C'est quoi ce qu'il y a sur le côté là? Faire une offrande, 20. Et ça fait quoi? Regardez. Moi je veux le truc d'empoisonnement là. Tu fais ce que tu veux, tu me sors l'empoisonnement. Alors, les maléfices coûtent 50% de moins de ferveur. Multiplie les dégâts par 20%. Attends. Ah, je suis obligé, putain, je peux pas. Le problème c'est que là, si je garde le maléfice que j'ai là, je vais quasiment pas m'en servir. Par contre, si c'en est un autre, ça peut être... Allez. Elle fait déjà 2,7 des dégâts. Alors, si je multiplie les dégâts par 1,5 ou plus 5 heures. Ah oui, ben... Finalement, c'était peut-être pas une mauvaise idée de ne pas prendre l'autre là.
3,5 au lieu de 2,7, oui, c'est... Alors, qu'est-ce que j'ai pas fait ici? Ah merde, je pensais qu'un coup suffirait. Vous avez obtenu collier de plumes, imprégné du pouvoir d'un oiseau, permet à un adepte de se déplacer plus rapidement. Seul de lave, attention où vous mettez les pattes. Fait en fait. Oui. Ah, j'en ai 6 des comme ça. Il n'y en a plus ailleurs là. Hein. Ok, oui. Là, ça va. Je sais pas d'où il vient le sixième, c'est quoi là? Bon, je vais prendre celui-là, je sais pas ce que c'est. Ah, ok. Recharge en cours, ok. Là, c'est juste informatif ça. Hein, c'est... Alors, 10% de chance d'infliger un coup critique augmente vos chances de trouver des coffres intéressants. Bon. Ah, des fleurs, voilà. Ah ouais. 2 camélias, parfait. Est-ce que je peux pas partir, sortir et rentrer? Non. Ah, on est déformé quand on regarde, on est derrière ça. C'est ce que je voulais voir. Dépêche-toi. Ça, ça devrait être accéléré parce que ça n'a pas d'intérêt particulier. S'ils veulent vraiment jouer avec le temps, ben, ils font en sorte que les secondes durent 2 secondes dans le vrai temps. C'était pas indispensable qu'ils nous fassent chier. Est-ce que je peux descendre? Je peux pas descendre, non? Non, je peux pas. Bon, ben... Qu'est-ce qui se passe là? Peut-être que je voyagerai, mais pour l'instant, non. Ouais, bah je vais changer. Oh, putain, j'ai cru qu'il se dirigeait vers l'épée. J'ai cru qu'il allait me changer l'arme. Ok. C'est toujours en recharge. Recharge en cours. Alors, plus 5 heures, 10% de chance de bloquer. Ok, plus 5 heures. Permet de gagner 3 fois plus de ferveur en tuant un ennemi.
Dommage, parce que je pense que là, on arrive au boss. Non. Ça va, du pognon. Ah, j'en ai plus que 4 à récupérer. Ça va, des salles comme ça, j'aime bien. Je valide. Me laisse tranquille. Si l'autre vient pas en même temps qu'ils sont là, ça devrait aller. J'ai quand même perdu un cœur. Enfin, un bout de cœur. Bon, c'est quand elles veulent qu'elle meure, c'est sa bête. Merde! Ah, deux! Pierre, non. Choix d'apparence. Une nouvelle forme qui peut être adoptée par vos adeptes. Œil témoin. Œil de témoin. C'est quoi ça? Ah, ça doit être un truc. Bon, j'ai pas mes 10, hein. Maintenant que vous avez vaincu le prélat de cette zone, vous pouvez avancer. Plus loin vous vous aventurez, plus grandes sont les récompenses qui vous attendent. Attention, si vous n'avez pas le pouvoir de la couronne omniprésente, il vous faudra un téléporteur pour revenir au culte. N'avancez que si vous pouvez vous accepter d'abandonner votre culte un moment. Bah non, je vais pas y aller. Non. Bon, ben on va aller voir le culte. Et il faut surtout que je pense à le récupérer, l'adepte, avant de faire le sermon, hein. Allez. Continuez. Porte-couronne, ne me vénères-tu donc pas? Pourquoi n'essayes-tu pas de me faire des offrandes dans l'espoir de t'attirer mes faveurs? J'ai placé un coffre dans le culte afin que tu puisses y déposer des présents. Dans mon infinie générosité, je les transformerai en or. Utilise-le à bon escient. Cependant, tes offrandes doivent être à la hauteur de ma grandeur. Si tu m'offres le même présent plusieurs fois de suite, je te donnerai moins d'or. Fais preuve de patience et je changerai peut-être d'avis.
Tu me honores et je saurai te récompenser. Ça c'est quoi là? Aime-moi, vas-y, aime-moi. Alors, raffinerie. C'est quoi ça, décoration basique? Je monte car. Ah, les toilettes. Permet aux adeptes de se soulager. Ah oui. Poste de soins. Permet de soigner les adeptes malades. Poste de nettoyage. Permet aux adeptes de nettoyer leurs propres déchets. Allume un feu purificateur qui permet de récolter plus de dévotion. Flamme de tabernacle permet de générer plus de dévotion. Diminue le coût des rituels de 50%. Permet de diffuser votre propagande. Les adeptes apportés travailleront et prieront 20% plus vite. Écoutez les confessions de vos adeptes pour augmenter leur fidélité. Peut-être utilisé une fois par jour. Bon, pour l'instant non. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté là? Poste de mission. Permet d'envoyer jusqu'à 3 missionnaires en même temps. Ils finiront leur mission plus rapidement et auront plus de chances de la réussir. Placez du fertilisant ici pour que vos adeptes l'utilisent sur vos parcelles agricoles. Ah, c'est bien ça. Mais je vais d'abord prendre les chiottes là. Oui, j'ai pris. Attends. Est-ce que je fais le poste de nettoyage? Choisi. J'avais presque changé d'avis, mais... Ah, il faut que j'aille... Voilà. Bien, bonhomme. Laissez-moi rejoindre votre culte. Je suivrai fidèlement tous vos enseignements. Aime-moi. Je fais de l'apparence. Ok, il y a une nouvelle, non? Ah oui, il y en a plein de nouvelles. Mais pour l'instant, ça, je m'en fous. Ah, je les ai presque tous, ceux-là. Ah bah, collection 9 sur 9. Ah non, non, je les ai tous, là, ceux-là. 9 sur 9, oui, parce que le dé, c'est pas... Alors, travail génère de la dévotion 10% plus lentement, et moins 5% de fois la mort d'un adepte. Ah bah... Ah, et pour plus, il va falloir que je fasse un lit. Raffineur, tiens. Ah, je peux interagir. Je peux te faire un cadeau, toi. Augmenter sa fidélité, il vivra deux fois plus longtemps. Ok, donc celui-là... Ah, mais c'est peut-être pas celui-là que j'aurais dû le donner. J'aurais dû le donner un qui... Bon. Alors. C'est où? Ah, il me faut des... Ok, je peux pas pour le moment. Il va y avoir un problème de faim tout à l'heure. Ah putain, pourquoi on peut pas déplacer les bâtiments? Oh, il faut que je me dépêche, parce que sinon ils vont être en train de dormir quand je vais les culturer. Alors, sermon, couronne. Bon, sermon. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tous en cœur. Pas de boogie-woogie avant vos prières du soir, pas de boogie-woogie.
Alors ça doit être là, les... Non? Ah non, mais les yeux d'adepte là, je pense, les yeux de machin, je crois que c'était des trucs pour débloquer ça, bah non. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Travail et prière. J'ai encore pas capté l'utilité de ça. Mais... Enfin, lequel choisir? Débloque le rituel permettant d'achever instantanément la construction de toute structure de la base. Débloque le rituel permettant d'augmenter de 20% la génération de... Oh. Ouais, de toute façon, il faut les... Après, il faut les... Choisir. Non, voilà, je vais prendre ça. Est-ce que je peux en choisir un autre? Non, je peux pas... Je peux pas... Ok, donc... Maintenant j'ai plus le choix, c'est soit celui-là, soit l'autre, c'est pas soit celui-là, soit rien. Ok, donc... 75, putain mais... Ça coûte cher! Rituel non, doctrine... Ah oui, bah ça c'est... C'est juste une info, hein, c'est... on s'en fout. Ah. Voilà, bon, je vais pas le faire, hein, ça. Ça non plus. Rituel sacrificiel, non, je vais pas le faire maintenant. Eh ben c'est bon, allez, allez, allez vous coucher. Il faut que je fasse... Il y en a un qui manque un lit, non? Il va falloir que je fasse de la bouffe. Ah bon. Alors... Ben, les pas de baie, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Plat de légumes. Ah putain! Je l'ai raté! Nettoyer, nourriture brûlée, bon sang. Je devrais attendre, tant pis, ça prend du temps, mais... Jour 23. Alors, c'est Our 23, là, hein. Son lit à l'autre là. Améliorer. Améliorer. Ok. Je suis con parce que je croyais que j'avais mis. Il m'en faut 5. Hein. Je croyais que j'avais mis en route, ben non. Non, c'est l'or que j'avais transformé. Bon, bientôt, plus question de chier par terre, hein. Ah, salut Naga. Allez, dépêche-toi. Ah bah, là, il y a du pognon. C'est bon, il entre... Oh, ça va être long, ça. Ça va? D'arroser, toi. Fertiliser.
Ah mais non, t'arrêtes pas de bosser. Ouais, moi ça va. D'une manière générale, ça va. Ok. Dépêche-toi. Bon, je vais quand même te parler. Non, je l'ai déjà fait ça. Ok, bah je vais prendre du pognon. Dépôt. Ah, faut que je remette. Oui, donc je vais continuer la quête pour les. Et les fleurs. Ah, quoique, est-ce que je vais... Non, je vais voyager. Je vais aller pêcher. Je vais aller pêcher. Comme ça, je pourrais faire de la bouffe. Le pélican. Rupture de stock. À quoi ça sert, ça? Pas quoi ça sert. Il n'y a pas de la bouffe ici, non. Ah bah il n'y a pas de poisson, mais c'est bien. Dégueulasse ça. Pourquoi il n'y a pas de poisson? Échec de la... Oh merde! Oh la l'arnaque! Ah putain, j'ai échoué dans la quête. Oh merde! Comment ça se fait? J'allais le faire. Mais c'est dégueulasse ça. Ressources de mine, de pierre de mine épuisée, c'est où là? C'est là. Et ben on va en faire une autre. Hein. Oui. Vénérable guide, des créatures affamées vivent dehors, non loin du culte. Nous devons leur offrir le gîte. Accepté. Ça va encore me pourrir. Laissez-moi rejoindre votre culte. Je suivrai fidèlement tous vos enseignements. Ok, donc il a moins 10 de fois en tombant malade et... 10 de fois en rejoignant le culte, ok. Par contre, il a faim. Petit troupeau, succès débloqué. Je vous en prie, ayez pitié. Ah là, non, mais... 10%, 10 de fois en moins en tombant malade, génère de la dévotion de 15% plus lentement. Ah non mais putain, il me donne que des saloperies. Attends, qu'est-ce que tu veux toi? Pardonnez-moi guide, je voulais simplement vous dire que je vous adorais. C'est bon, moi aussi je m'adore. Donne-moi des trucs. Non, tu me donnes rien. À manger un plat, j'ai eu un repas correct. T'as vu des excréments, c'est indécent. Qu'il devrait nettoyer ça, ok. Ah, il faut deux lits. Oui, il faut deux lits. Il faut que je fasse deux lits. Il faut que je fasse deux plats. C'est quoi ça? Ouais, bah, je vais faire ça. Cuisiner. Je vais en faire que. Thank you.
quête terminée. Je savais que vous y arriveriez. Vous êtes réellement une créature divine. Oui, oui, je confirme. Alors, il faut faire le lit, hein. Alors, est-ce que... Non, il faut que j'attende qu'il l'ait fait. Ok. Je dois m'avoir mes... Est-ce que je peux construire les chiottes là? Ben non. Mais où est-ce qu'il les a mises? Récolter, elles sont là. Ok. Donc là, je peux faire. Alors je dis chiottes, mais je devrais dire toilette. Hein. On va le mettre là. Est-ce que ça a une importance qu'on les rapproche ou pas? Allez. Bon, en attendant, je vais nettoyer tout. Et j'espère que j'aurai pu à le faire, ça. Hein. Que vous avez compris, vous aurez compris. T'as faim? Encore que je refasse des plats. Allez, on va en faire 3, 4, 5, 6, je sais pas. Mais va bouffer, toi! Ah, t'es malade? Ah mais non, mais... Il est gravement malade, il a besoin de repos pour, de toute urgence pour survivre. Attends. Repos. Repos. Récolter. Ok, ah c'est parfait ça. Bon, j'aurais peut-être dû le mettre juste à côté là parce que c'est... Ah merde, j'ai pas mis le... Bon, je vais aller me promener, moi, en attendant. Est-ce que c'est utile de retourner là? Je suis pas sûr, hein. Ah merde, j'ai un truc. Alors. Feu corrompu, oui. Je préfère un truc qui fait beaucoup de dégâts qu'un truc qui fait des dégâts rapidement. Ah oui, bien joué, tu commences bien, idiot. J'ai encore rien fait, puis j'ai déjà pris un dégât. Ok, ramasser. Voilà. Plus 5 heures, ok. C'est bon, je valide. Un pentagramme à 5 branches, 5 mauvais présages, 5 membres d'une même fratrie côte à côte, 5 dieux, une seule tombe. Nous ne voulions pas te déranger, seulement... Shamora, la couronne rouge gagne en puissance jour après jour, elle a réussi là où il a échoué. Leshy a été tué. Lorsque les 5 deviennent 4, puis 3, puis 2, puis 1, les 5 ne sont plus. Shamora, repose-toi, nous allons nous en occuper, n'est-ce pas, Calamar? Oui, ma sœur, tout ce que tu voudras.
Toi, minable porte-couronne, incline-toi ou tu vas le regretter. Refuser. Incline-toi ou je t'y obligerai moi-même. Ok. Ah oui, j'ai tout gagné là. Donc ça va être que des combats, je vais rien... Enfin, en même temps, est-ce que c'est si mauvais que ça? Ok, monsieur Champignon. Je t'en prie, ne nous fais pas de mal, nous sommes de simples adeptes perdus en terre inconnue. Le grand Zozo nous a, envoyé guérir ses précieux champignons hallucinogènes. C'est tout ce qui lui importe. Il a perdu la raison. C'est tout ce qui lui importe. C'est tout ce qui l'importe. Je pense que c'est pas bon au niveau français. Mais une fois sur place, nous avons réalisé que nous n'avions aucune idée de l'endroit où se trouvent ces champignons. Et maintenant, nous sommes trop effrayés pour rentrer les mains vides. Si tu lui apportes des champignons, il te récompensera certainement. Tu le trouveras à la grotte aux spores. Ok... Un nouvel endroit. Suivre la quête. L3. Ah mais... Non mais c'est un accident. Arrêtez de courir comme ça, comme des idiots. Couverte de végétation. Est-ce que ça a une utilité de construire des trucs de décoration ou c'est juste pour décorer? Bon, peut-être que le terme m'aide, mais devrait m'aider, mais... Mais c'est censé être des cœurs corrompus et qui explosent quand, ils sont cassés. Ah mais... Ah voilà, bien joué, c'est nul, c'est nul. Attends. Oh non, une citrouille avec une couronne sculptée. Je m'en fous ça. Sont comme a priori et ils nous en donnent pas deux qu'on a deux fois le même. Arrêtez de courir comme des cons. Je m'excuse, j'ai pas fait exprès. Octroie un quart de cœur, un demi cœur. Lorsque vous tous les dégâts, non mais alors un demi cœur. Un cœur supplémentaire. Ah bah ça c'est pas mal ça. Il y a une chance sur 5 de trouver un cœur bleu. C'est mieux que l'autre, je trouve. Sachant qu'il y a pas mal d'ennemis. Oui bah de toute façon... Peu importe le choix. C'est de la baston. Donc j'aimerais bien une arme qui fait plus de dégâts, moi.
ben voilà. Merde, c'est pas ce que je voulais. Attends. C'est pas du tout ce que je voulais prendre la hache. Oh le con. Mais qu'est-ce qui m'a fait des dégâts là? Ah mais putain, je voulais prendre la hache. Oh là 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 là. J'ai toujours peur que ça m'arrive quand je joue à Hades de prendre un truc. Ah oui, ben, je me prends un truc sur la tronche. Et en plus, il y a une cible au sol et puis je la vois pas. Voilà. Ben, j'étais à côté, c'était pas dessus. Ah non, c'est dégueulasse. Donne-moi des cœurs. Voilà, donne-moi du cœur. Ah putain, c'est... ça se goupille mal là. Et puis je regrette, mais j'ai quoi comme carte? Elles sont où les cartes que je... Ah, voilà. 20% de chance de tuer un, de trouver un, de gagner un cœur bleu en tuant un ennemi. J'en ai pas eu de truc là. Hein. Donc leur 20%, je sais pas comment ils les calculent. Et j'ai toujours pas eu de cœur bleu. Mais c'est dégueulasse. Oh oui, bon ça. Il me donne les trucs que j'ai pas voulu prendre avant. C'est magnifique ça. Ça me fait penser à Hadès. Quand j'ai 3-4 fois le même dieu, et il me refourgue les trucs que j'ai pas voulu prendre. Mais donnez-moi pas de cœur bleu, hein, surtout, hein, faudrait pas que ce... Mais... C'est automatique, il n'y a pas besoin de les activer, les cartes. J'en ai pas eu, hein. 20%, ça veut dire 1 sur 5. Ils ont peut-être pas les mêmes pourcentages, là où ils ont développé le jeu, hein, mais pour moi, 20%, c'est 1 sur 5. Mais j'ai toujours pas de... Non, mais ça s'active pas. Ça a rien à voir avec les cœurs bleus, ça. J'accepte, hein, volontiers, mais c'est pas ce que j'ai... à plume, que des plumes. Ah oui, je voulais voir si j'avais tout fait, mais ben tant pis.
j'arrête d'y aller bourrin, puis ça va tout seul avec les grenouilles. Elles sont pas dures, les grenouilles. À chaque fois j'ai les grenouilles, je fais le zozo. Je vais en finir trop vite. Ah merde. Ah merde, je peux te dire. En gros, c'est un cœur de dégâts que j'ai pris pour le moment ici. Et j'ai toujours pas de cœur bleu. Ils savent ce que ça veut dire, les pourcentages. Ouais, j'aurais peut-être pas dû casser. J'aurais dû attendre. Et je vais buter la grenouille avant d'aller buter les autres là. Ça, ils restent enfermés tranquille, ils me font plus chier. Ah, ah j'en ai eu un. Oh putain, ah, bah, mais non, je suis même pas sûr que ce soit ma carte. Ah non, mais c'est pas qu'ils sont radins, c'est scandaleux. Un sur 5, c'est pas un sur 50. Alors ceux-là, je les aime pas. Vraiment, je les aime pas. Chargé pour infliger plus de dégâts. Vous soigne parfois lorsque vous tuez un ennemi. Ouais, c'est vraiment plus... Alors on va la recycler, je sais plus ce que ça fait le recyclage. Du pognon, une pièce, ok, bon c'est pas lourd mais... Faire une offrande, ben oui. Vitesse d'attaque multipliée par 25%, oui c'est bon, ça permet deux fois plus de ferveur en tuant un ennemi. Je crois que c'est préférable ça. Ah ça c'est... je vais avoir des poissons. Ah oui bah je vais prendre ça, c'est sympa ça. Récupérer du poisson. Boss, hein.
bah, les escargots, vous avez qu'à aller plus vite. Hein. Moi, je tape. Lorsque vous tuez un ennemi, elle fait combien de dégâts la mienne là? 2,8. Ah oui, mais non. Ah, ça empoisonne aussi. Hein. Ah non. Je vais garder ce que j'ai. Elle va combien là? 0,8, ouais, c'est mieux que la hache pour à peu près autant de dégâts. Mais non, bah, on va laisser. Allez, viens. Allez, prends-toi sur la gueule. Ah mais non, mais c'est dégueulasse, pourquoi ça marche pas? Je connais pas le boss là, donc je sais pas... À quel point ça va être difficile, mais ça sent bon quand même. Ça c'est pas le vrai boss encore. Bon, c'est pas le vrai boss, ça. Allez. Accueillez votre nouvelle recrue, alors. Ben, les fiscouilles, hein. Ah, je
je me demande qu'est-ce qui se passe si je meurs là. Bon, bah là maintenant c'est fini. On va rentrer à la maison. Je vais tout de suite accueillir mon nouveau gars là. Je vous en prie, ayez pitié. Eligos. Oh putain. Gagne des niveaux 15% plus lentement. 10% de fois en... 10% en gagnant. 10% de fois... Oh putain. C'est... J'ai que des boulets, moi. Bon, qu'est-ce que... Ouais. On va prier. Guide, notre base est assez austère. Nous avons besoin de voir plus de beauté. Construisons de jolies décorations à votre honneur. Acceptez la quête. Alors, c'est combien des décorations? Ok. Il n'y a pas assez de lits pour vos adeptes. Oui, je vais... Qu'est-ce que je voulais prendre tout à l'heure? Non, je pense que ça c'est bien le poste de nettoyage. Je peux en prendre un autre, c'est pas possible. Non, je n'ai plus. Par contre, il faut que je me dépêche de construire. Ça me gave de ramasser les baies. C'est long. Il n'y a pas moyen de l'automatiser. Je peux faire le dernier. Voilà, c'est bon. C'est parfait. Il n'y en a plus partout. Oh, c'est le bonheur. Ah bon. Ça, c'était peut-être là avant. On va dire que c'était là avant. Okay. Ah oui, il faut que je reconstruise aussi un truc de pierre. Alors, une mine, bûcheron et pierre. X. Qu'est-ce que ça fait les spores? Bon, pour l'instant, on va juste faire. De... Non, il fertilise pas encore. Hein, ça, je vais attendre un peu.
Qu'est-ce que je peux vendre? Pour l'instant, rien. D'accord, il me faut 5 barres d'or et 5 planches. Là. Ah bon, j'ai perdu un serment, tant pis. Allez. Ah, ils ont faim, ils vont avoir faim quand ils vont revenir. Bon allez, on va arroser pour eux. On va faire son boulot à l'autre là. Alors ils sont combien mes adeptes là? Culte. J'en ai 11. Il y a 2 morts, oui. 11. Ah, il faut que je... Alors... Non. Ok. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Tiens. La luciole et l'araignée, paf. Bon, ben on va aller faire un petit tour, on va récolter des ressources. Ah tiens, je vais voir si je peux pas les pêcher. Ah oui, il y a le truc des champignons, là. Grotte au sport. Zozo devient cruel et imprévisible. Que va-t-il advenir de nous? Voici des décorations extrêmement rares dénichées par notre superbe guide, le grand Zozo. Nous récoltons de l'argent pour acheter des champignons. Plus de champignons, il nous en faut plus. Non, j'ai pas assez. Des cartes. René ? Ah, ça c'est bien ça. Bon. Il faut que je rentre à la maison, il y a encore un qui est malade là. On va d'abord aller au culte. Attends, tiens. Va te coucher. Les membres du culte gagnent la croyance cannibalisme. 5% de fois en mangeant un plat à base de chair d'adepte. Nouvelle croyance, tous les... Ah, ça peut être intéressant, ça. Tous les membres du culte gagnent la croyance végétarisme. Les adeptes ne perdent pas de foi en mangeant des plats à base d'herbe. Ah, je vais prendre ça. Adopter la doctrine. Ah!
doctrine. Et donc, parce que de l'herbe, j'en ai plein. Hein. Donc, ah oui, là, moi, il faut que je coupe la vidéo là.